Oh là, vous avez plein de poussière sur la gueule. Et c'est devenu une mauvaise habitude, hein. Toujours vous êtes crado, toujours. Putain, les poils de chatte. Oh là les gars, j'espère que vous allez bien. Moi, écoutez, ça va très très bien. C'est dimanche, je suis en full détente, je mange une tarte au citron, qui est d'ailleurs le dessert numéro 1 de tous les desserts au monde. Tarte au citron meringuée, les gars, quoi de mieux que ça? Demain, je me casse, je rentre chez moi en Indonésie, et je me suis rendu compte que ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas fait un petit girl talk, tout simplement, juste posé. On discute, on papote de vos problèmes, ça va être un girl talk spécial love, parce que j'avais envie. Seuls les vrais addicts au café ont une machine à café dans leur chambre, les gars. Cheers à vous. Bon, comme d'hab, je vous ai demandé sur Instagram, d'ailleurs allez me suivre sur Instagram si c'est pas déjà fait, je vous ai demandé de me parler un peu de votre vie sentimentale, de me poser des questions, de vous livrer à WAM. On va en discuter ensemble, tout simplement. Pleurer à vie, son premier amour. Ça, c'est un sujet que j'aime bien parce que j'ai mis énormément de temps. Énormément de temps, mais quand je dis énormément de temps, ça se compte genre en années. Vraiment, mon premier amour, ça m'a massacré le cœur. Hein. Ça m'a brisé en 360 000 petits morceaux. Je pensais vraiment, après mon premier amour, que je ne pourrais jamais aimer quelqu'un comme j'aimais cette personne un jour. Et je vais vous dire un truc. C'est vrai, je ne suis jamais retombée amoureuse aussi fort que la première fois que je suis tombée amoureuse. Et je pense que c'est normal, parce que déjà de 1, c'était pas un amour qui était sain. Le premier amour, généralement, c'est le moment où tu découvres ce que c'est d'être amoureux, tu découvres les papillons dans le bide, tu découvres un nouveau sentiment, donc c'est normal que ça te fasse genre un effet de « waouh, c'est fou ». Et pareil que quand tu tombes amoureux, quand t'as le cœur brisé pour la première fois, ça te fait très 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 mal. Je sais pas si c'est le cas pour tout le monde, mais en tout cas moi, ça m'a vraiment... Hein? On a une bonne grosse cicatrice là-dedans, hein? C'était super malsain comme amour. C'était certes fort, intense, innocent parce que j'étais adolescente et que bref, c'était fou. Mais je sais qu'aujourd'hui, si j'avais un amour à cette intensité, je serais pas heureuse parce que je savais pas ce que c'était prendre soin de moi, de ma santé mentale. Je savais pas ce que c'était l'équilibre. Tout ce qui comptait dans ma vie, en fait, était ça. C'était ma vie sentimentale et ma vie amoureuse. Et aujourd'hui, c'est plus le cas. C'est toujours important, évidemment, parce que l'amour, quand même, c'est cool, on va pas se mentir. Mais c'est pas juste la personne dont je suis amoureuse qui fait que je suis heureuse ou non. Et ça, je trouve que c'est hyper important. Non, tu vas pas pleurer ton premier amour toute ta vie, ça met du temps. Tu vas te faire tes petites expériences et tu vas te rendre compte que certes, c'était un amour très beau, très innocent, très fort, mais tu verras que l'amour prendra une place différente au fil du temps. L'amitié fille-garçon lors de rencontres récentes, pas depuis bébé, c'est possible. Moi j'y crois, hein. Moi j'y crois de ouf, même si c'est pas un pote d'enfance. J'y crois, d'ailleurs là je reviens d'une semaine, j'étais partie en voyage presse et on était plusieurs créateurs de contenu dans la même maison. Et du coup j'ai rencontré des filles, mais j'ai aussi rencontré des garçons. Et franchement, c'était trop cool, c'est des personnes, je veux pas dire qu'on est devenus amis en quelques jours parce qu'on s'est à peine fréquenté, mais je sais que c'est le genre de personnes avec qui... si j'avais pu passer plus de temps ou que même si genre j'ai l'occasion de revoir plus tard, c'est des personnes que je pourrais totalement me voir devenir amie avec. Ma phrase n'est pas française. C'est des personnes avec qui je pourrais être amie et c'est des personnes du sexe opposé. Je pense que tout dépend de toi en fait, de toi, de la personne aussi en face. Quand tu mets les choses clairement et que t'installes pas une sorte d'ambiance de séduction et d'ambiguïté dès le début, bah y a pas de raison que ça ne marche pas. Et même je trouve que c'est un truc qui est hyper enrichissant. Genre là j'ai eu une discussion cette semaine avec, avec un garçon du coup que j'ai rencontré et on a parlé de body positive, de complexe etc. Et c'était hyper intéressant d'en parler avec un mec. Donc moi je suis totalement pour les amitiés filles-garçons. Tant que c'est clair dès le début et qu'il n'y a pas de trucs chelous, d'ambiguïté et tout, je pense que c'est totalement, totalement possible. Y a-t-il une différence d'âge maximum selon toi? En vrai c'est délicat, j'ai envie de dire oui et j'ai envie de dire non parce que l'amour n'a pas d'âge à skip, mais quand même, déjà personne majeure avec personne mineure, c'est non. Je sais qu'il y en a qui disent oui, mais quand même à 17 ans, à 16 ans, tu es libre de tes choix, tu sais ce que tu fais, tu sais ce que c'est le consentement, peu importe. Non. Non non non, quand t'as 17 ans par exemple et que tu dates quelqu'un qui est dans... qui approche sa trentaine, peut-être que c'est pas forcément choquant pour certains, moi je trouve que il y a un déséquilibre énorme. Psychologique, tu seras jamais aussi fort et aussi expérimenté qu'une personne qui est plus âgée, donc il peut y avoir des situations où tu te fais manipuler, où la personne elle abuse de son... pas de son pouvoir, mais si en fait. Encore une fois, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Si tu veux dater quelqu'un qui a 20 ans plus que toi, you go girl ou boy. Juste, dans certains cas, ça me choque un petit peu. Et faites attention quand même. Faites attention à vous. Comment soigner sa culpabilité d'avoir largué un ex? J'adore cette question parce que la dernière fois, justement, je parlais avec un pote. On était dans un débat de est-ce que c'est plus dur de quitter quelqu'un ou de se faire quitter? Et moi, personnellement,
100 fois 1000, je trouve que c'est trop dur de quitter quelqu'un. Genre l'intensité et le truc horrible que tu ressens dans ton bide quand tu dois quitter quelqu'un et que tu sais que la personne t'aime, c'est un enfer. Ça m'est arrivé une fois dans ma vie. La seule et unique raison, c'est juste que j'avais plus de sentiments pour la personne. Parfois, il n'y a pas d'explication. Je sais que quand on se fait larguer, on cherche toujours à comprendre le pourquoi du comment et avoir des raisons particulières et se dire est-ce que c'est de ma faute et tout. Des fois, c'est juste, ça s'explique pas en fait. Les sentiments et l'amour, c'est pas une émotion que tu contrôles tout le temps à 100%. Et des fois, juste l'amour, il s'estompe et il s'en va. Genre, ça arrive. Et moi, ça m'est arrivé une fois dans ma vie avec cette personne. Et la personne n'avait rien fait de mal. On s'embrouillait jamais, c'est juste moi, mes sentiments qui, avec le temps, se sont estompés. J'ai pleuré autant, voire plus, que quand on m'a brisé le cœur. Et je trouve ça horrible. Donc, je comprends ta culpabilité. Mais dis-toi que tu fais la bonne chose. Parce que rester avec quelqu'un parce que t'as de la peine pour la personne, c'est encore pire. Enfin, c'est un manque de respect, en fait. Et être honnête avec la personne, c'est respecter la personne. T'as fait la bonne chose. Comment passer d'une situationship à une relationship? Ah, pas mal cette question. Parler. Voilà, tout simplement. Tu prends la personne entre quatre murs et tu lui dis, frérot, peu importe qui tu dates, tu lui dis, ça fait XX temps qu'on couche ensemble et qu'on se kiffe et que machin. Est-ce que tu veux concrétiser ou est-ce que juste il y aura jamais rien de plus? Vraiment, il n'y a pas plus simple que ça. J'en ai eu des situationships. Putain, on dirait que j'ai fréquenté 1600 personnes dans ma vie. Pas du tout. Mais c'est vrai que j'ai rarement été célibataire. À chaque fois, j'avais soit une personne que je voyais régulièrement ou soit j'étais en couple. Est-ce que j'aurais pas un petit manque de confiance en moi qui fait que je ne peux jamais être seule? Peut-être bien que oui. Vraiment, faut pas parler chinois, quoi. Il faut juste dire les choses. C'est fatigant. Le truc des jeux, de suis-moi, je te fuis, fuis-moi, je te suis, de pas oser demander à l'autre qu'est-ce qu'on est et machin. Généralement, si t'es en situationship avec quelqu'un, ou plus communément appelé plan cul, si on dit les choses, quand il y a un truc en plus de tout ça, tu le sens. Si c'est juste en mode vous voyez, vous faites ce que vous avez à faire, et ensuite, soit tu rentres chez toi, et il n'y a pas forcément de petits moments complices après, il n'y a pas de discussion particulière, enfin voilà. Dans ces cas-là, girl ou boy, ne va pas te mettre dans la tête qu'il y a plus, il ne va pas non plus te mettre dans le malaise gênant de demander à la personne s'il y a plus, parce que généralement c'est assez clair dans le comportement de la personne. Mais si vous avez une complicité et qu'il y a des sortes de petits comportements de couple qui s'installent, ben dans ces cas-là c'est complètement légitime que toi, tu puisses demander à l'autre, c'est pas gênant. Et tu peux même le faire par message. Moi je l'aurais fait par message parce que je suis une lâche, et c'est plus simple. Mais tu peux le faire en vrai si t'es pas une lâche comme moi, mais juste demande en fait. Comment se faire passer en priorité et ne pas avoir trop d'attentes envers son mec? Très bonne question et je trouve qu'il est hyper intéressant parce que je le répète tout le temps, mais moi je trouve que la chose qui tue les couples, c'est quand une des deux personnes ou quand les deux personnes attendent trop de l'autre. Quand ton couple c'est le centre de ta vie, ça peut vite devenir hyper malsain, il peut vite avoir un déséquilibre parce que du coup, t'attends de l'autre d'être ton partenaire, d'être ton psy, d'être la personne qui fait que t'as confiance en toi. Enfin, en fait, tu veux que ta personne, elle remplisse plein de rôles et qu'elle comble plein de petits trous que t'as en toi, des insécurités, etc. Alors que c'est pas ça le rôle de la personne. Le rôle de ton mec ou de ta meuf, c'est d'être un plus en fait, d'être une épaule sur laquelle tu peux te... J'en sais rien, pleurer, rigoler. Une safe place, tu vois. Une safe place où tu sais qu'à la fin de la journée, tu peux lui parler de tout et n'importe quoi. Cette personne, elle va être là pour toi, elle va te tirer vers le haut. Et il n'y a rien de négatif, tu vois. Mais jamais de la vie, je demanderai à quelqu'un de faire plus que ça. Tout le reste, c'est à moi de le prendre en charge et c'est à moi d'apprendre à me sentir bien avec moi-même. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui se travaille avec le temps. Tu peux pas demander à quelqu'un de porter ton bonheur à bout de bras. C'est fatigant et c'est pas son rôle. Faire des choses seule, en fait, tout simplement. Essayer d'avoir une vie de couple et une vie à toi, sortir avec tes copines, aller te faire des petites après-midi juste toi, toute seule, en date avec toi-même. Te focus sur un projet, par exemple, un projet professionnel qui te fait du bien à toi, qui n'a absolument rien à voir avec ton couple. Et quand tu te concentres sur ce truc, tu vois, tu penses à rien d'autre qu'à ce truc. Pour moi, par exemple, ça a été YouTube. Quand je me pose et que je fais mes vidéos et quand j'édite, je suis dans ma bulle à moi. Et j'ai pas besoin que mon mec soit à côté de moi en train de me caresser les épaules et de me faire des massages. C'est un truc qui me fait du bien. Ça a coupé, je sais plus ce que je disais, mais ouais, fais des trucs pour toi en fait. Arrête de penser tout le temps. Pour deux. C'est compliqué pour moi de démarrer une relation sexuellement parlant vu que l'autre a des ex. Je vais vous partager mon avis très personnel, ok? Je dis pas qu'il faut que tout le monde pense comme ça, je dis pas que voilà. Mais moi, il y a un truc que je m'impose, une règle d'or. Quand je rencontre quelqu'un, si la personne, enfin s'il y a un bon feeling, que j'apprécie la personne et voilà, le passé sentimental de la personne, le passé sexuel, bon à part si c'est des traumatismes et qu'il faut que je fasse attention à certaines choses, etc., évidemment que ça, mais sinon le reste, je m'en tape. Je m'en tape parce que c'est trop triste, c'est trop injuste de catégoriser une personne parce que bah, peut-être qu'elle
qu'elle a eu plus de partenaires que toi, ou peut-être qu'elle a eu des expériences différentes des tiennes, ou peu importe. C'est juste trop dommage. Et ça, on le voit beaucoup, beaucoup, beaucoup plus, je trouve, du côté des mecs. Des mecs qui disent, ouais, mais non, cette meuf, ça me bloque parce qu'elle a été, parce qu'elle a couché de partout, parce qu'elle a eu tant d'expériences sexuelles, ou peu importe. C'est totalement con parce que le nombre de partenaires qu'a eu la personne auparavant ne définit absolument rien de la personne que t'as en face de toi. Ça ne veut pas dire qu'elle se respecte pas. Et encore une fois, je reparle de filles parce que c'est un truc qu'on entend plus souvent que chez un mec. Quand une fille est, comment dire, pas réputée, mais qu'une fille va coucher avec plusieurs personnes, directement la fille est catégorisée comme une personne qui se respecte pas, ou une ou une. Voilà, alors que bizarrement, quand c'est un mec qui le fait, c'est juste un mec qui se fait plaisir et qui profite de sa jeunesse. What the fuck? Enfin, non, en fait. Après, ouais, avoir envie de parler, par exemple, avec l'autre personne de son passé sexuel, des choses qu'il ou elle a vécues, je trouve ça hyper important. Et moi, c'est un truc que je suis toujours curieuse et que j'aime bien savoir. Mais en tout cas, c'est trop dommage, c'est trop trop dommage de se bloquer ou de se sentir mal. Ça ne veut absolument rien dire. Le nombre de personnes avec qui t'as couché, les expériences, peu importe, ça veut absolument rien dire sur toi, comment ça va se passer avec la personne. C'est vraiment une connexion que vous allez avoir à deux. Pourquoi on est parfois dans un délire qu'on ne voit plus la réalité? Mama, le temps perdu, open your eyes, girls. C'est un très bon statement, parce que du coup, c'est pas une question, mais c'est vrai que des fois, on perd notre temps. Hein. Genre moi, ça m'est arrivé une fois de perdre 6 mois bêtement et de ne pas voir la merde que j'avais en face de moi. C'est super méchant ce que je suis en train de dire. C'est hyper méchant, mais c'est réel. Donc oui, en fait, il y a 3 red flags. La personne t'apporte plus de négatif que de positif au quotidien. La personne t'a déjà menti plus d'une fois et tu le sais. Et 3, la personne te fait douter de la bête de meuf que tu es. Voilà. Si tu as ces 3 red flags en face de toi actuellement dans ta vie, ouvre tes yeux et pars en courant. Casse-toi, vraiment. Est-ce que tu arrives à te projeter dans ta relation? Je déteste me projeter. Ça, c'est un truc, j'en ai parlé beaucoup de fois. D'ailleurs, j'en ai parlé dans mon podcast sur la peur du temps. Si vous n'écoutez pas mes podcasts, les gars, on se réveille. J'aime pas trop me projeter parce que ça me fait peur, parce que déjà le temps qui passe, moi c'est un truc que je n'aime pas parce que je le contrôle pas et ça me fait flipper ma race. Donc ça dépend ce qu'on appelle se projeter. Se projeter au court terme et dans les mois qui arrivent, absolument. J'aime bien faire des projets, j'aime bien me dire qu'on va faire ci, qu'on va faire ça. Je déteste me dire ok, dans tant d'années il faut qu'on ait des enfants, il faut qu'on ait une maison. Tous ces gros trucs là, moi c'est un truc qui me fait flipper. Là dans l'immédiat c'est pas un truc dont j'ai envie, donc je trouve que ça sert à rien d'y penser. Je préfère me focus sur ce que j'ai envie dans l'année qui arrive. Là, tu vois, c'est déjà beaucoup. Pourquoi après une rupture on veut toujours tout quitter et recommencer à zéro? C'est normal, c'est un nouveau chapitre les gars, je suis partie à l'autre bout de la terre après ma rupture amoureuse. Je pense que c'est juste un phénomène normal et c'est pas négatif hein, au contraire, moi je trouve que c'est nécessaire, tu peux pas rester la personne que t'étais dans cette relation alors que t'es en train d'apprendre des choses, que tu évolues, que bref. Donc c'est une bonne chose et je pense que c'est normal, donc écoute, si tu traverses une rupture et que tu veux tout recommencer à zéro, fais-le. Être prise pour acquise au sein de son couple, c'est ciao. D'où il te prend pour acquise? Non, je suis dans l'abus, mais ça, encore une fois, c'est un truc qui se discute, mais c'est trop dommage. Franchement, c'est trop dommage de prendre l'autre pour acquis dans une relation. Ça, c'est aussi une des raisons de rupture qui est assez fréquente, c'est qu'en fait, tu fais plus d'efforts. Tu fais plus d'efforts pour l'autre, tu fais plus... T'as l'impression qu'en fait, l'autre, dans tous les cas, il sera là, toujours. Tu arrêtes d'être reconnaissant pour l'autre. Et ça, c'est super triste et ça fait super mal. Et généralement, les gens qui prennent quelqu'un pour acquis dans la relation, quand la personne décide de partir du jour au lendemain, c'est là que la personne se rend compte que de ce qu'elle a perdu. Sauf qu'après, c'est trop tard. Une personne n'est jamais ta possession. Non, quand tu aimes réellement quelqu'un, généralement, t'as cette constante envie de faire du bien à la personne en fait, d'être là pour elle et de la pousser vers le haut. Tu mérites mieux, tu mérites beaucoup mieux que de te sentir un peu comme la meuf qui est là et qui sera toujours là, tu vois. Donc soit tu lui parles et tu lui fous un gros coup de pied au cul et tu lui dis « Wesh, je suis là, mais à tout moment je me casse parce que je suis pas ta propriété et que je mérite quelqu'un qui s'intéresse à moi et qui prend soin de moi », soit tu te tailles. Pourquoi je n'arrive pas à tomber amoureuse? C'est pas un truc que tu choisis, en fait, tomber amoureuse. Je pense que c'est surtout ça le truc, c'est que peut-être que inconsciemment tu fais un blocage et que t'as peur de te livrer à quelqu'un. Et en vrai, c'est totalement compréhensif parce que quand t'es amoureux, t'es tellement vulnérable. Et je sais qu'il y a des personnes qui détestent l'être. Il n'y a rien de plus vulnérable que tomber amoureux de quelqu'un. Peut-être que c'est ça. Et dans ces cas-là, c'est important de l'être dans la vie. Je dis pas qu'il faut être vulnérable avec tout le monde. Moi, j'ai fait l'erreur d'être vulnérable avec beaucoup de personnes et parfois elle est mauvaise et ça s'est retourné contre moi, donc attention à qui on se livre et à qui on se montre réellement, mais n'aie pas peur de tomber amoureuse, vraiment n'aie pas peur parce que c'est un sentiment qui est incroyable. Certes,
ça peut faire mal, et comme beaucoup de choses dans la vie qui font mal, parce que la vie c'est pas juste du pompe-l-up et des petites paillettes roses. Et puis si t'es pas encore tombé amoureux, c'est juste que t'es pas tombé sur la bonne personne. Tout simplement, y a pas de rush, et y a pas besoin de chercher à tout prix, de t'inquiéter. Quand ça va venir, ça viendra. Il faut quand même que toi de ton côté, tu sois prête à, encore une fois, t'ouvrir à la personne et t'autoriser à ressentir ces sentiments qui sont forts et qui font peur. Mais vraiment, ça arrivera. Si, en tout cas, si toi tu le veux au fond de toi, ça arrivera avec la bonne personne, au bon moment. En tout cas, moi, je crois en l'univers et à tous ces trucs de timing, donc ouais. Tomber amoureuse d'un ami. Aïe, 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 aïe. Ça pue, ça fait chier, parce que, en fait, t'as deux trucs qui se posent à toi, là, devant toi. C'est soit t'es vraiment un ami en qui tu tiens, et tu sais que, si tu tentes un truc, si tu tentes un move, il y a possibilité que tu ruines l'amitié pour un truc qui, au final, ne vaut pas forcément le coup. Soit t'es vraiment fou cramé de la personne et tu sais que tu peux plus, en fait, que tu ne supportes plus d'être l'ami de la personne parce que ça te fait trop de mal et que vraiment t'es amoureuse, et dans ces cas-là, tente le truc parce que t'as plus rien à perdre. Mais si vous êtes amis depuis des années et que d'un coup t'as une sorte de petit crush qui s'installe, je serais d'avis à dire que ça vaut pas le coup de gâcher une amitié pour potentiellement une relation qui va durer quelques mois. Mais il y a des gens qui ont été meilleurs potes pendant des années qui finalement aujourd'hui filent le grand amour, hein. Donc il y a pas forcément de règles, mais c'est à réfléchir bien bien fort, parce que franchement, perdre une amitié, ça fait tout autant mal que de perdre quelqu'un en amour. Ok les gars, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, que vous avez kiffé ce petit girl talk, ça faisait super longtemps. La prochaine fois qu'on se voit, je ne serai plus en France. Je serai de retour sur mon île à Bali avec mon amoureux, avec Paco et Zoya. Et ça va me manquer. Je vais pas vous mentir que là, franchement, ces deux mois en France, ils m'ont fait un bien fou. Vraiment, ça m'a fait un bien fou. J'ai pu me concentrer sur moi, sur mes projets. J'ai rencontré des gens géniaux. Je me suis fait des potes. Est-ce qu'on se rend compte déjà de ça? Juste un applaudissement pour moi. Merci. Et je pense que ça se voit, non? Ça m'a fait du bien. N'empêche que là, je suis prête. Je suis prête à rentrer, à retrouver ma maison, à retrouver mes petites habitudes et à vous créer du contenu là-bas. Voilà, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, à vous abonner à la chaîne. Il y a plein de gens qui regardent les vidéos mais qui ne sont pas abonnés à la chaîne. Pourquoi? Pourquoi tu fais ça? Abonne-toi, c'est plus simple. Dès qu'il y a une nouvelle vidéo, tu sors, tu seras au courant. Abonne-toi. Prenez soin de vous et je vous fais des bisous!